C'était extraordinaire. Ça existe, le point G, je suis... Alors attendez. Ah, attendez, parce que là... Si vous voulez, je peux vous en faire la démonstration. Ça dure 15 secondes. Ah, mais on est dans la perspective de 2012, tout est possible. En gestuelle, la vulve. Le pouce, je travaille le clitoris. Deux doigts, je rentre à l'intérieur. Je fais la résonance des parois en tapant comme ça, mais voilà, en tapant latéralement. Donc je fais les résonances tout en tapant. Ne pas être sur la fille vers la tête, être en position de recul, sinon vous avez une crampe au bras tout de suite. Donc vous faites ça. Alors la résonance. Une fois la résonance, quand ça monte en puissance, vous retournez les doigts, droite, gauche, juste à la sortie, avec le clito résonance, pouf, 45 secondes, orgasme. Souvent, par exemple, on prend des gens comme William Reich, ils ont écrit très sérieusement que la sexualité était un truc révolutionnaire et que donc, s'il y avait d'un coup une sexualité épanouie, c'était la révolution 10 minutes plus tard. Et puis de l'autre côté, vous avez toute une autre école, si je puis dire, qui considère que justement, la sexualité, c'est l'apanage du conservatisme, finalement. C'est ce qui permet que ça n'explose absolument pas. Vous qui avez travaillé depuis des années là-dessus, vous avez un point de vue. Quand un groupe est dominé et stigmatisé, et quand il se bat contre l'ordre établi. On l'a vu sur les homosexuels. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de guerriacs. Une fois que la pratique est reconnue et tolérée, ça capte l'éventail politique qu'il y a. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une libération sexuelle. Par contre, je pense qu'il y a des tendances réactionnaires, catholiques, traditionnalistes, qui empêchent que les gens puissent s'éclater dans la sexualité. Mais les libertins, avant la Révolution française, le disaient déjà. C'est-à-dire qu'ils disaient, le plaisir est interdit, donc prenons du plaisir partout où il est. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc il n'y a pas de lien qu'on peut faire entre la sexualité et la politique, en fait. Non, par contre, ce qu'on sait, c'est que la droite réactionnaire est envie de que les couples ne s'éclatent pas ensemble. Donc, est très restrictive. C'est pas pour ça qu'ils ne vont pas chez Christelle ou qu'ils n'ont pas... Ils n'en parlent pas. Non, ils y vont. Enfin, les classes dominantes sont toujours exonérées de la morale sexuelle. On toujours fait ce qu'elles ont voulu. Par contre, la morale, c'est pour le peuple. Aux gens qui sont dominés. Et ça, on leur disait toujours, vous n'avez pas le droit de faire ceci, c'est sale, etc. Julien, on dit beaucoup que la bisexualité, justement, est peut-être, dans votre génération, quelque chose qui est, pour la première fois, assez accepté. C'est vrai ou c'est faux, ça? On est beaucoup plus ouvert sur l'homosexualité qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a plus un schéma aussi hétéro-centré qu'avant. On est en majorité pour le mariage homosexuel. Après, la bisexualité, pour le moment... C'est pas de la pratique. Non, c'est pas de la pratique, mais la bisexualité, pour le moment, ça a été quand même quelque chose de branché. C'est plutôt cool d'embrasser, si on était une fille, sa copine. Et après, dans les comportements amoureux, c'est difficile à quantifier. Hein. Je sais pas si les 18-30 ans pratiquent davantage la bisexualité. C'est difficile à dire. À partir de quand on est bi, en plus Parce qu'une fois en test ou parce qu'on alterne, c'est très compliqué, hein, la sexualité, de toute façon. Ils sont beaucoup plus bi, les jeunes, pour... Moi, quand j'ai des gamines entre 18 et 25 ans qui arrivent chez moi... Travaille pour vous. Ouais. Elles sont en général bi. Moi, je me tracasse pour elles parce qu'elles sont plus jeunes, entre guillemets, que mes enfants. Mais elles sont bi, elles ont fait plus que vous et moi qui sommes plus âgés, quoi. Moi, je le confirme. Quel est le souvenir de sexualité la plus gaie au sens joyeuse possible? Un moment marrant, parce que moi, dans les boîtes d'échangistes, je me suis toujours marré. Je n'ai jamais pris ça au sérieux. En tout cas, je n'étais pas le cateau de service qui venait faire la morale aux gens. Et un jour, j'étais dans une boîte, donc... Il y avait une boîte en mezzanine, il y avait le bar et un escalier qui descend. C'était une soirée SM organisée par Domina. Alors, je ne te dis pas les cris simulés, tu sais, aïe, aïe, aïe. Avec le faux fouettage de la chatounette et tout. Enfin bon, c'était bidonné et il y avait les esclaves de catalogue qui venaient avec leurs cagoules, tout ça, qui défilaient. Donc je me faisais chier quand même, comme un rat mort. Et je discutais au bar, en haut, avec le patron. Et de l'escalier monte un individu que je reconnais. Il était en cartouchière, t'es en position d'esclave, t'es en situation d'esclave. En cartouchière, c'est quoi une cartouchière? Cartouchière, c'est les bandes en cuir sur le torse, avec le short, avec le trou aux fesses et le martinet. Il a dû prendre une trempe en bas, donc il remonte. Il était transpiré un peu. Il me voit dans l'escalier, il me dit « Oh !» Il me dit « Vous ?» Ben, je dis « Oui, ouais. C'était mon métier de sortir à visage découvert. » Je dis « Oui, oui, maître, il n'y a aucun problème. » Je n'en parlerai jamais. Grand avocat,
procureur général. Ouais, beaucoup dans la justice. Ouais. Il se met à côté de moi, et puis il discute, vous comprenez, machin, si ça va. Puis on discute de la pluie du beau temps. Et à un moment donné, je regarde son martinet à côté de sa cuisse, il est au bout du bar. Et je le regarde, j'ai dit, je peux. Et il me fait, pas trop fort. Et là, j'ai pris le martinet et un flic qui fouettait un avocat, devenu un grand magistrat. Et je le fouettais à la tourniquette, toi. Il était comme ça. Ah, ah, ah. J'étais tellement content de fouetter cet avocat. Bah, écoutez, voilà un grand moment, en tout cas, de, pas de solitude, mais de grand plaisir dans les boîtes. Vous en avez fait des choses, commissaire. Arrêtez avec ça.